de notre histoire. Qu'as-tu retenu pour demain? De nos chagrins, de nos victoires, de nos chemins illusoires. Dans nos mémoires, les tragédies des peuples noirs. Il y aura-t-il un chant d'honneur pour tous mes frères et sœurs? Claudie n'est pas seulement un journaliste, c'est le symbole de l'éveil de tout un continent. C'est l'éveil de toute une génération. Claudie est un catalyseur de la dynamique de paix et de développement. Parce que le développement de l'Afrique passera à coup sûr par la culture. Et ça, c'est le message de toute une génération de gens qui ont même bien, yes. Ça va, mon frère. Et toi? Ça va très bien. Et toi? Ça va. C'est le président de la génération consciente. Ouais. Et on est ensemble. Et je pense que même si on ne finit pas le combat, la nouvelle génération viendra trouver qu'on a commencé. Bien, ça n'est pas fort. Alors, si moi je suis le président, toi tu es vraiment la figure de proue, tu es le combattant, tu es celui qui est à la tête du combat que l'on mène tous. Tiken, 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 tiken. Claudie, c'est une inspiration. C'est quelqu'un, vous savez, il y a des moments où je suis dans la détresse. Mais quand j'écoute Claudie parler, ce qu'il raconte à travers son émission me donne de l'espoir. Je me dis en fait, non, je n'ai pas à me laisser emparer par le désespoir. Je dois travailler, je dois me battre. Il est vraiment engagé. Donc c'est quelqu'un qui est plus africain que nous les Africains. C'est ce que moi je pense. Parce qu'avec Claudie Sia, on a appris beaucoup de choses. On a appris à connaître des stars internationales. Je peux prendre l'exemple de la grande star angolaise, Monsieur Bonga. Tous ces gens-là, on les a découverts dans Couleur Tropicale. C'est grâce à Claudie Sia. Claudicière ne cesse de parler de l'Afrique. Il parle de nous, donc on le sent beaucoup plus proche. C'est notre frère qui nous parle de quelque part, de très loin. Il nous parle du monde. Il fait partie de ces journalistes de la diaspora africaine qui soutiennent la culture africaine, en particulier la musique. Il est certainement une des plus grandes stars que la variété africaine, que la musique africaine ait connue. Mais ceux qui ont le jugement le plus juste préféreront dire que c'est certainement un des plus grands artistes que cette planète ait connu et tout peuple confondu. Monsieur Manu Dibango, s'il vous plaît. Couleur, couleur, tropicale, couleur, tropicale. Sans la voix de Manu, qui a donné une identité à cette émission-là. Je te jure que finalement, c'est bien pour toi, mais c'est bien pour moi aussi, parce que j'avais complètement oublié. Bon, moi, je regarde, j'écoute de temps en temps. Mais c'est quand je voyage, dès que je parle quelque chose, c'est pas vous qui... Il y a des gens qui ne me connaissent pas comme artiste, des fois, mais qui reconnaissent ma voix. Mais c'est pas vous qui avez applaudi. J'ai dit, ah bon, merci, donc vous écoutez. Bon, enfin, ceux qui ne connaissent pas Manu en tant qu'artiste, c'est que vraiment la culture musicale est au plus bas. Hein. Tout le monde ici ne parle que de Claudie. Hein. Dans tout Brazzaville, je dirais même dans tout le Congo, on ne parle que de Claudie. Que ça soit à Pointe-Noire, à Dolisi, surtout Brazzaville. Et ici, tout le monde dit... Toi-même, tu sais, comme lui, il aime le dire quand il passe sur les antennes de RFI. Mesdames et messieurs, pour présenter le groupe qui va se produire tout de suite, je vais demander aux journalistes qui en connaissent le mieux la jeunesse de le faire à sa manière. Je vous demande d'accueillir Claudie Sia, de Couleur Tropicale. Ma dignité.